feet, winter drives me wild. Regardez comment elle a sali. J'ai changé mes draps il y a 2 jours. Première chose à faire, c'est travailler dans un environnement propre, rangé, organisé. Je suis incapable de travailler quand c'est le désordre autour de moi. Je suis juste distraite par tout le désordre et j'arrive pas à bien focus sur mon travail. Du coup, la première chose que je fais, et dès que je me lève, c'est de faire mon lit et de faire quelques tâches ménagères. Donc déjà, je fais la vaisselle, je range la vaisselle, je passe le balai. Alors, on peut penser que je suis un petit peu maniaque sur les bords, ce qui est un petit peu vrai, mais ça m'aide vraiment à me sentir mieux parce que j'aime pas quand c'est le désordre autour de moi. Donc je vais juste tout ranger et comme ça au moins, là je serai prête à travailler, je sais que j'ai plus rien à faire. Personnellement, me préparer, me changer, me laver, ça m'aide vraiment à me sentir bien et à me motiver à commencer ma journée. J'aime bien être confortable, mais j'aime aussi me sentir propre, belle. Donc dès que je me lève, je me change. En réalité, je garde souvent mon bas de pyjama parce que je suis vraiment trop confortable dedans. Mais j'aime bien avoir souvent un joli haut, etc. Même si après, je vais mettre souvent une couverture parce que j'ai tout le temps froid. Mais au moins, je me dis que je me suis préparée et ça m'aide à me sentir bien. Et quand on se sent bien, on est plus motivé. Je fais aussi ma skincare pour me sentir un peu plus fraîche. Et j'ai récemment commandé pas mal de produits sur Look Fantastic. Donc je voulais vous montrer ça et vous partager un peu mes favoris du moment. Juste avant, laissez-moi vous présenter Look Fantastic. C'est un site de beauté qui recense plus de 300 marques différentes en maquillage, en soins, en appareils électroniques, prendre soin de vous, donc c'est vraiment super. Après avoir nettoyé mon visage avec ce nettoyant visage de chez Seraph que j'ai utilisé aux États-Unis, c'est vraiment une marque très reconnue là-bas et qui est vraiment super, donc j'ai appliqué une crème hydratante. Je voulais prendre celle de chez Aven que j'utilisais parce que vraiment Aven c'est ma marque favorite et ils la vendent sur le site, mais elle est en rupture de stock. Du coup, j'ai jeté mon dévolu sur une crème La Roche-Posay qui est également une très très bonne marque de skincare. Passe aux yeux. Alors, je suis pas du genre à blinder niveau maquillage, je vais jamais faire un paupière ou d'eyeliner ou quoi, mais j'ai pris quelques produits pour les cils, notamment ce primer de chez Urban Decay qui me faisait de l'œil depuis vraiment un petit moment. Ça va vraiment agir comme une base, ce qui va vous permettre de renforcer vos cils et vous allez venir après appliquer votre mascara dessus. Et normalement ça va sublimer votre maquillage et ça va aussi protéger vos cils du mascara que vous allez mettre ensuite. Et donc en mascara j'en ai pris deux, j'ai pris le Idol de chez Lancôme, j'ai aussi le parfum qui est super, et le Sky High de chez Maybelline que j'ai mis, du coup que j'ai choisi d'ouvrir celui-ci en premier. Et comme vous pouvez le voir, il fait des cils de folie, j'adore. Le fixateur de sourcils de chez NYX, j'ai jamais fait mes sourcils, du coup je me suis dit qu'on allait tester un petit fixateur. Je sais pas trop si c'est utile honnêtement, mais je ne suis pas une pro, en tout cas il a l'air bien. Même quand j'ai fait ma commande, c'était des offres spéciales MAC, du coup j'ai pris un rouge à lèvres MAC vu que j'adore leur rouge à lèvres, je ne jure que par eux, vraiment là c'est un liquide, j'ai jamais testé leur liquide, j'avais toujours leur mat, mais du coup j'ai trop hâte de tester. J'ai aussi pris un NYX lingerie, mais celui qu'on va mettre c'est celui-ci, le Lifter Gloss de chez Maybelline, parce qu'il a l'air juste trop joli. Vraiment, le résultat, j'adore. Ça fait un petit peu des lèvres colorées, en même temps un petit peu glossy. On adore et je suis très étonnée parce qu'il n'est pas du tout collant, alors qu'on sait que les gloss, c'est une galère. Donc vraiment, je suis super contente de ce produit. Il y avait plusieurs teintes, mais je ne suis pas du tout déçue. Et on finit par un indispensable, le parfum. J'ai voulu tester le nouveau My Way de chez Giorgio Armani parce que je le voyais tout le temps à la télé. Et déjà, le packaging est super beau. Regardez-moi ça. Et il sent trop bon. C'est une odeur très florale mais en même temps un petit peu sucrée. Je trouve que c'est parfait pour le printemps qui arrive.
Et franchement, mais c'est une petite merveille. Je vais quand même vous montrer les autres produits que j'ai pris mais que j'ai pas utilisé. Donc j'ai pris un après-shampoing et un masque de la marque She Moistures. Je sais qu'elle est bien parce que j'ai déjà utilisé aux États-Unis et elle fait des cheveux tout doux. Un petit déodorant La Roche-Posay parce que j'en avais plus, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Une crème solaire visage, c'est super important de mettre de la crème solaire et je voulais vraiment une de qualité. Et celle-là, c'est un SPF 50 de chez Nuxe. Tout Nuxe, c'est vraiment une bonne marque niveau solaire. J'ai pris un shampoing Garnier, mais version solide que je connais en version liquide, mais vu que j'essaye de réduire mes déchets tout simplement en version solide. Et pareil, un petit savon pour le visage. Je vais pris une petite eau micellaire Garnier parce que c'est super pratique à emporter. Le format est juste parfait pour les voyages. Et des cotons démaquillants de la marque Real Techniques et qui ont l'air vraiment tout doux. Pareil, j'utilise plus de coton parce que ça fait trop de déchets d'en utiliser tous les jours. Du coup, j'utilise que des cotons réutilisables. Donc, j'ai trop à détester parce qu'ils ont l'air super doux. Voilà, si vous aussi vous voulez renouveler un peu votre maquillage, vos soins, si vous avez besoin d'acheter des choses, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Look Fantastique. Vous allez forcément trouver votre bonheur. Et j'ai un code promo qui est BYLILOULF pour Look Fantastique qui vous offre 20% sur tous les produits non soldés et 10% sur les produits premium non soldés. Et ce code promo est permanent, donc vous y allez quand vous voulez. Allez, on vous laisse avec la suite de la vidéo. Vraiment, il faut que je me fasse un café. C'est vraiment mon petit rituel du week-end et des vacances. Vous expliquer pourquoi, mais j'adore avoir une boisson chaude quand je travaille, ça m'aide vraiment à me concentrer parce que sinon je pense toujours à autre chose, alors que avoir une petite boisson à siroter, déjà ça me réchauffe parce que j'ai tout le temps froid et je peux mettre mes mains autour de la tasse, et ensuite ça participe à rendre mon environnement de travail plus agréable et c'est super important quand on travaille de rendre le moment agréable. Voilà, c'est pas censé être une corvée, donc tout ce qui peut rendre ce petit moment plus cocooning, eh ben on prend. Pareil, changer d'environnement de travail régulièrement, c'est super important. Vous pouvez aller travailler au café ou juste changer de pièce. Le bonheur. Juste le bonheur. Vraiment, essayez, même si vous aimez pas le café, vous pouvez vous faire un petit chocolat chaud, une ricoré, un thé. En général, l'après-midi, j'aime bien vers 16-17h me faire un thé bien chaud, déjà parce que j'ai froid. Et ça fait un peu une ambiance cocooning et tout, donc pareil, ça m'aide à me motiver et à me poser, parce que sinon j'ai un peu la flemme. Et si vous demandez pourquoi je bois la paille, c'est tout simplement parce que j'ai envie d'éviter un maximum d'avoir des taches de café sur les dents, parce que le café c'est connu pour jaunir les dents. Alors je pense que ça dépend aussi de l'émail, de la personne, etc. Mais j'ai envie de prendre le moins de risques possible, du coup j'ai pris l'habitude de boire à la paille et en vrai j'aime bien. Faire une petite to-do list, ça peut vraiment aider quand on a du mal à organiser les choses qu'on a à faire dans sa tête. Je le fais pas tout le temps, mais ça peut vraiment permettre de voir les choses à accomplir dans la journée. Le plus important, ok. Donc en ce moment, pendant les vacances, j'aime bien commencer par des exercices de maths. C'est un peu mon petit rituel. La première chose que je fais, c'est des annales des anciens sujets de bac. Donc le matin, je me concentre vraiment sur les maths.
Après, si j'ai un peu de temps, je fais un peu de billard avant de manger. Puis après, je mange. Après manger, j'aime bien aller marcher. Et en même temps, j'apprends une fiche. Enfin bref, je fais une petite to-do de ce que j'ai à faire et j'essaye aussi de classer dans l'ordre des choses à faire, même si parfois l'ordre peut s'inverser. Et du coup, je coche juste quand j'ai fait les choses. J'aime bien utiliser Notion aussi pour m'organiser. J'ai découvert ça, donc voilà, j'ai plein de petits onglets. Je sais pas en fait si vous voyez dans le bon sens ou pas. Par exemple, dans Weekly Agenda, bon, ça je le fais plus trop. J'avais mis la to-do, c'était les anciennes vacances. Ça. Et sinon, ce que j'utilise le plus, c'est School. Donc j'ai toutes les matières là à disposition. Et par exemple, dans Philo, si ça veut bien s'ouvrir, voilà. J'ai mes différents cours. Par exemple, La Vérité, qu'on a fini il y a genre quelques mois. Et j'ai regroupé tout mon cours. Comme ça, parce que vraiment, mes fiches de philo, c'est le bazar. Du coup, je recopie tout mon cours sur Notion, comme ça je l'ai au propre. Et je fais ça, bon, pas pour toutes les matières, mais pour plusieurs matières. Vous voyez ça là, c'est cette chose là qu'on utilise plusieurs heures par jour. C'est un vrai danger et ça va vraiment avoir un impact sur votre productivité. Je parle en connaissance de cause parce que je crois que je dois avoir 7 heures d'écran. Et des fois, après avoir passé une demi-heure, une heure sur TikTok, je culpabilise parce que je me dis que j'aurais pu utiliser ce temps de façon un peu plus intelligente, ce qui est totalement vrai. Et du coup, je m'énerve parce que je suis distraite par mon téléphone. Donc ce que je fais habituellement déjà, c'est que première chose, je le mets en mode avion, la base. Et aussi, je le mets loin. Donc soit je le mets dans le bureau, alors là il est prêt, du coup des fois il m'attire. Soit je vais le mettre dans notre pièce carrément, dans un tiroir, comme ça je ne le vois pas. Parce que si je le vois, c'est mort, je vais aller dessus. Je suis très faible là-dessus, voilà. Il faut vraiment que je ne le vois pas. Et si je ne le vois pas, en général, je vais travailler, je ne vais pas aller le prendre, je ne vais pas y penser. Donc vraiment faites ça. Si vous ne voulez pas être distrait, mettez loin tous vos appareils électroniques que vous n'avez pas besoin. Je garde juste mon ordi. Ce qui peut être aussi un piège, parce que des fois je me perds dans mes onglets, je vais faire du shopping, etc. Mais déjà je passe moins de temps que sur mon téléphone. Donc ça c'est un vrai piège pour votre productivité. Très important aussi de boire de l'eau et pas que du café, voilà. On alterne toujours une gorgée de café, une gorgée d'eau. Même si j'ai dit tout à l'heure que ça c'était néfaste, c'est super important de faire des pauses pour booster sa productivité. Notre cerveau n'est pas fait pour travailler 4 heures de suite sans s'arrêter. Il y a un moment où vous allez avoir un trop-plein et votre cerveau, même votre organisme va avoir besoin de faire une pause, de se reposer, et ce qui va vous permettre de repartir sur de meilleures bases, de prendre un peu de recul sur ce que vous faites, de revenir un peu plus frais. Et peut-être même si vous étiez sur quelque chose qui demandait un peu de réflexion, ça va vous permettre de réfléchir autrement, de prendre un peu de recul et de, pourquoi pas, trouver la solution, voir les choses sous de nouvelles perspectives. Bref, prendre des pauses, c'est super important. Je sais qu'il y en a qui utilisent la méthode Pomodoro avec 30 minutes de travail, 5 minutes de pause, 30 minutes de travail, 5 minutes de pause. Alors j'ai déjà essayé ça, mais chez moi ça marche pas parce que des fois ben, je suis apte à travailler une heure et demie sans m'arrêter et j'ai pas envie de m'arrêter à 30 minutes si je suis lancée dans un truc. Et pareil, des fois j'ai envie de prendre une pause de 15 minutes parce que bah, j'en ai marre de ce que je fais, ça, je commence à être fatiguée, à plus réussir à réfléchir et je sens que j'ai besoin de prendre une pause un peu plus longue. Donc des fois je prends juste des petites pauses, 5-10 minutes pour checker un peu les réseaux, TikTok, répondre aux messages, etc. Et parfois je fais des pauses un peu plus longues, donc les pauses ça peut être... Il y a un tracteur, les joies de la campagne. Je disais, des fois je prends des pauses un peu plus longues, c'est-à-dire que je vais marcher, je vais faire du sport. Moi souvent j'aime bien, entre mon travail du début d'après-midi et mon travail de fin d'après-midi, faire une pause de 1h30 à peu près où je vais faire du sport, où je vais prendre ma douche ou alors où je vais marcher. Comme ça au moins ça me permet de m'aérer l'esprit et de faire un peu autre chose. Parce que c'est jamais bon de trop travailler. Donc voilà, faites des pauses, c'est super important et ne passez pas votre vie à travailler. Ne vous dites pas, bah, je vais passer 5 heures à travailler non-stop, comme ça ce sera fini. Vaut mieux
travaillez petit à petit en faisant des pauses et vous verrez que vous arriverez à faire votre travail plus vite finalement parce que vous serez plus efficace. Il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité et la qualité ça passe par se reposer aussi. Donc comme je vous le disais, je prends toujours en milieu de journée une grande pause où j'en profite pour faire du sport. Le sport ça participe vraiment à mon équilibre et ça me permet de me sentir bien et de me recentrer. Sans ça je pense que vraiment je deviendrais folle. En plus ça libère des endorphines et donc ça met de bonne humeur. Et on sait que quand on est de bonne humeur, et ben on est plus motivé et donc plus productive. J'essaye aussi d'aller marcher régulièrement pour changer d'air et bouger mon corps. Vous n'êtes pas obligé de faire du sport mais tant que vous bougez votre corps ce sera vraiment bénéfique à votre productivité parce que ça va vous permettre de vous changer les idées et donc de revenir beaucoup plus concentré. Et vraiment je vous conseille, bougez votre corps, c'est super important. On y arrive ici, là, vous voyez là, dans le miroir, que je porte mon trépied à vous. En fait, je voulais vous montrer le setup. En fait, je pose mon ordi sur un tabouret, voilà, et du coup, je fais mon sport là. Et en même temps, j'écoute un podcast parce qu'on est sur de l'optimisation du temps. Et enfin, dernier point qui est un peu aussi un conseil organisation. Si vous avez énormément d'activités à concilier, que ce soit activités associatives, extrascolaires, donc si vous faites un sport par exemple, ou si vous jouez d'un instrument, que vous voulez aussi avoir une vie sociale et avoir des bonnes notes, c'est important de profiter de tous les moments possibles et de ne pas finalement perdre son temps. Ce que je veux dire par là, c'est que je profite de mes trous, entre guillemets, pour avancer et travailler et faire ce que j'ai à faire. Notamment pendant les trajets, j'ai beaucoup de bus parce que j'habite en campagne, donc j'ai à peu près 2 heures de bus tous les jours, donc ouais, un peu plus d'1 heure le matin, 1 heure le soir. Et donc, je profite toujours de ce moment-là pour déjà faire ce que j'ai à faire sur mon téléphone, c'est-à-dire répondre à tous les messages que j'ai à faire, si je dois éditer une photo, m'occuper de mes réseaux, etc. Je le fais comme ça, c'est pas du temps que je perds entre guillemets chez moi parce que chez moi voilà je peux travailler dans un cadre tranquille, ce que je peux pas faire dans les transports. Du coup je profite de ces moments là pour faire ce que j'ai à faire sur mon téléphone, mais aussi pour m'informer sur l'actualité. Vu que je veux Sciences Po, c'est très important d'être informé sur l'actualité et puis ça m'intéresse aussi. Donc je profite toujours voilà, de ces moments là quand je suis dans les transports, en voiture, ou alors quand je suis dans une file d'attente, ce genre de choses pour checker l'actualité. Ça me permet d'optimiser, on va dire, tout mon temps libre. Si c'est une période aussi avec pas mal de travail, ben je vais tout simplement travailler dans le bus, c'est-à-dire relire mes fiches, commencer à écrire un exposé. Même si honnêtement, des fois je m'endors parce que je suis fatiguée, donc je m'endors juste dans le bus, vu que je m'endors facilement dans les transports. Mais sinon j'essaye d'optimiser mon temps pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire. I've been feeling neglected and I want you to show me. Can we get back on the same page? Tonight can we stay?